Voilà, du 24 juillet au 30 juillet, c'est Haïti en folie. C'est Karel qui est avec vous et me gagne, bien sûr. Rendez-vous, son rendez-vous annuel avec Fabienne. Fabienne, bonjour. Bonjour Karel, comment ça va? Ça va et toi? Ah, super. Alors, je disais tout à l'heure, quand nous battons en onde, que à chaque fois que je suis avec toi, ça va mieux, ça va Oui, bien. vraiment apprécier ça. Fabienne, bonne nouvelle, ou 17e édition, mes amis. Et c'est peut-être un festival haïtien à travers le monde qui gagne plus longévité là. Oh, ben merci beaucoup, c'est un bel compliment. Oui, parce que Et le Compas Festival fait que ça fait 25 ans. Donc, ou pas trop loin, Compas Festival. Et puis l'autre festival, c'est des festivals qui fait qu'à commencer, qui notre 10e anniversaire, 12e anniversaire, mais là, où sont aînés, non, bah, et ça. Ah, mais en fait, j'ai commencé tout bébé, hein, donc ce qui me rajeunit, j'ai commencé très, très jeune. Mais ça fait me penser peut-être qui ça m'était lancé festival ça au départ. Et le moment est venu à Montréal. Moi, j'étais arrivé longue période, Karel, côté que t'es en pile turbulence. En pile turbulence, la communauté, surtout la Montréal-Nord, côté que t'es un phénomène de gang de rue, etc. Donc, l'homme qu'on a couvri et télévision, sans pas qu'être mauvais nouvelle, m'a des soi haïtiens qui vivent à Montréal à l'époque. Ça fait justement 17 ans de cela. Et moi, je dis, mais non, c'est pas ça, Haïti. Nous, pas passer plus gros communauté noire à Montréal, plus gros communauté et noire là. Au Québec, pour que compatriotes, nous, tout l'autre monde qui parle haïtien, leur attendez parler de nous, c'est mauvaise nouvelle, ça, seulement, ils attendaient. C'est bagaille pour comprendre que tout haïtien en bas, gang de rue, ça. Et puis, nous dit, faut nous t'ajouter une façon pour nous déjouer l'actualité, hein, pour nous capables de passer autre chose. Et comme on contrecarre négatif, c'est pas positif. Sauf so, forme pour ton bagaille qui est excessivement positif, excessivement belle. Pour que vraiment nous changer narrative là un petit peu. C'est pas nous-mêmes qui réglons le phénomène gang de rue, qui lui-même finit par régler. Mais par contre, ça nous fait nous changer façon yo wè nous changer façon de parler du haïtien. Et bien, c'est comme ça nous lancer. Il commence très timidement, hein, carré. Là, nous commençons, nous avons commencé avec un seul petit journée, un petit parc qui était dans l'est de Montréal. En demi-soirée, nous passons un film. Et puis, c'est une petite installation bric-à-brac. Que nous mettons, parce que nous n'avons pas de grands moyens du tout. Et puis, public la vie, ni très timidement. Et puis, l'homme bien gardé, grand monde qui dit, mais pourquoi tu ne vas pas au centre-ville, grande opportunité pour aller dans le théâtre de Verdure, dans le plateau Mont-Royal, dans le parc La Fontaine. Et puis, là, il y a une installation, parce que j'ai l'impression que le monde s'est dit, ouais, que, a fait nous pas de bon même, Karel, et qu'on a besoin de gagner infrastructure. Donc, c'est comme ça, pour faire une histoire courte, on est allé. Au parc La Fontaine, en plein cœur du plateau Mont-Royal, au quartier des spectacles, pour lancer le festival dans la deuxième édition à l'époque. Et puis depuis, son bas incroyable, parce que ça vient nous permettre que nous sommes en place centrale, haïtiens vini, québécois, l'autre québécois vini tout, monde sorti des quatre coins du globe pour participer. Et puis, il y a un gros mouvement, son gros mouvement en solidarité avec la culture haïtienne. Non? Et puis, nous montrer vraiment que du positif. Elle dit que belle bagaille manger, cap manger, tout restaurant haïtien au là, belle musique, cap voye monter, théâtre, cinéma, ou comprendre, littérature, artisanat, tout ça nous capable de joindre qui bon, qui intéressant, vini. Et puis nous, a des artistes qui sont solidaires. En tout cas, donc tout ça pour dire que ça commence très modestement, il y a 17 ans, pour le vin s'allier aujourd'hui, hein, mais nous pas de là aujourd'hui, hein, si nous pas de gagner support public là, qui renouvelé à chaque année. Tout à fait. 17 ans et comment et nous parer à ça? Je me dis comment nous parer à ça, parce que je connais que, je suppose, depuis sous 12-13 ans, nous avons certainement une routine, c'est même équipe qui renouvelle, c'est même volonté, comme tu as dit ça, bénévoles qui retournent, et c'est même espace-là, peut-être, ou à peu près, c'est un coup comme si tous les outils sont toujours là, c'est juste reconnecter tout le bagage en même temps, mais n'a qui ça que année ça spécial? Mon cher, c'est toujours un travail de longue haleine. Oui, c'est vrai qu'on a une base, qu'on est, on est on huilé, machine à huile, c'est-à-dire que nous avons une sorte de recette vraiment. Mais on ne peut pas s'asseoir et dire, ah, on fait les mêmes choses. Il faut toujours se reposer, remettre en question pour nous toujours capable de dire qui ça en plus nous capable de venir pour le public là. Qui bah, en plus nous capable de porter. Qui artiste que le public a beaucoup, ouais, boy, ici, là, il est en folie.
qui va être spécial, nous capables de vivre avec lui. Mais c'est dans ce sens que l'année ça, nous faisons une belle excursion dans Antilles et slash la France avec Admiralté, qui va venir dans le festival là, qui débarque au festival. Admiralté, que. C'est pas le moment, Briabrello. Dio, c'est pas le moment. Admiralté, d'ailleurs, qui fait plusieurs collaborations avec Haïtiens, que ce soit J. Perry, blablabla, que ce soit plusieurs autres qu'on est. Lui, c'était comme musique. Allez, Admiral Sy, monsieur fait gros succès dans la communauté, justement, parce que monsieur font musique, monsieur sur Guadeloupe, et des campis haïtiens dans Guadeloupe, et monsieur était font musique pour défendre haïtiens. Et d'ailleurs, musique, lui a été dit, il n'y a pas aimé haïtien, mais il y aurait aimé musique haïtien. Il n'y a pas aimé haïtien, mais il y aurait aimé tabou combo. Il n'y a pas aimé haïtien, mais il y aurait aimé manger haïtien. Et monsieur était définitivement poté et culture, nous, et identité, nous. Beaucoup te parle, puisque il y en a pas c'est que chaque fois mal Guadeloupe, c'est que un pile dans Guadeloupe est considéré nous tant que de grands frères par rapport à la révolution que nous avons fait en 1804, mais que il y a même toujours été des colonies françaises, mais ils n'ont pas arrivé et réussi révolution par là. Donc très souvent, ils ont toujours ouais nous comme Une sorte d'exemple. des exemples que peut-être ils n'ont pas arrivé et touché, même jusqu'à présent, il y a un Jusqu'à gros. présent, ou bien raison, parce que. Ou bien raison, parce que moi-même, tout, dernier fois en Guadeloupe, c'était le festival qui était le festival Femi. Et puis, moi, je rencontre un pile Guadeloupéen qui dit ça justement, parce que gon mouvement en ce moment, qui est tout petit quand même, bah, qu'on est, enfin, bah, je ne vais pas dire petit ou grand, parce que je ne sais pas qu'on est ampleur, qui justement indépendantiste, qui a pensé à faire de l'indépendance là, et leur pensé à ça vraiment, ils ont toujours parlé de Haïti la dernière, donc effectivement. Ouais, bien sûr. Et ça, pour moi-même, admiral, tout comme au monde qui fait musique et de conscience, et son nègre qui croit dans l'origine et qui toujours vraiment porte couleur de tout côté le passé, et toujours prendre comme exemple. Et l'Elvin en Haïti, toujours considéré le tête pour la Kaili. Dernièrement, Tavel, dans Lincoln Center en juin, un hommage pour Mika, puisque le travail avec Mika, tout le travail avec JPR et BIC. Et je suis content que nous avons gagné Admiralty. Et surtout que. Avec BIC d'ailleurs, quand vous Ici, d'ailleurs, voilà, avez quelques morceaux. très intéressant que nous gagnions Admiralty. Et puis, Et puis, deuxième. non seulement ça, tout pour me dire une petite parenthèse, moi découvrir, moi aimer l'admiralté, Admiralty, moi découvrir Admiralty dans un film qui est Les Nègres Marrons, que nous avons passé dans le festival film haïtien à l'époque. Qui, le festival film haïtien a commencé en 2006 ou 2007, on va comme ça, c'est 2005. En tout cas, 2006, deuxième édition. Donc, c'est pour que tu vois que c'est comme une boucle qui se boucle un peu. À l'époque, même qu'on est que le déchanté, donc c'est extraordinaire comment les choses tournent. Et puis, nous très contents. Donc, moi, je veux tout haïtien débarquer en foule pour nous montrer au monde de quoi Admiralty, comment nous accueillir mon lacan, nous, et puis une zilote. Tout à fait. Et puis ensuite, vous gagnez la reine Emeline qui clôture le festival cette année. Ah ben oui, ah mais dernière fois Emeline Michel venait dans le festival Haïti en folie, je crois que ça fait avant pandémie, hein? C'est ton belle fête, c'est ton bail extraordinaire, on est content, on ne dit pas je ne vais pas ça avant. Après ça, il vient nous retourner, nous faisons une collaboration avec Juste pour rire aux Bien sûr, Antilles. nous sommes dans la place des spectacles. Des gars, Dans tous les spectacles. Gary et James Germain. Et Voilà. de là, c'est ton bel bagage, ça. Belle bagaille. Donc, chaque temps nous gagnons Emeline, c'est son coche pire, vous comprenez? Parce que Emeline, lui-même, les gros niveaux que lui portait, sont pas extraordinaires. Et puis, le public l'a demandé ça tout. Donc, on pensait que le public allait être très content. Et puis, il n'y avait pas un meilleur moyen de clôturer le festival cette année qu'avec Emeline, la seule et unique, la reine, etc. Moi, que les autres font gros bagaille avec Bayo. La New York tout. Donc, non, on avait soif d'Emeline. Donc, c'est un bon moment. Et puis, on a fait un festival à la belle. Voilà. Mais le festival, c'est pas seulement le spectacle dans Parc La Fontaine, dans samedi et dimanche. Pendant même journée, ça retourne à bien plusieurs autres activités. Parlez-nous de yo. Et puis, depuis hier soir, le festival a commencé avec mapping. Ben, nos programmations, non, Fabienne. Alors, pour moi qui n'ai pas consacré les mapping, c'est que c'est un procédé côté que ou font une série d'expositions sur des grandes surfaces. C'est-à-dire que nous faisons des expositions sur des buildings par le passé, côté qu'on a billé building dans au grand complet avec un dessin, avec des vidéos. Des c'est pas pour dire ou poche ton bagage en carré, son building, non? L'épouser tout Projection support. voilà, construction building.
C'est ça, il y aurait les projections architecturales. Donc, c'est ça nous fait. Alors, cette fois-ci, on le fait d'une façon un petit peu plus petite sur et à la sortie du métro Saint-Laurent. Donc, pendant toute semaine, là, mon cap aller passer dans la zone sur Saint-Laurent, dans la zone métro Saint-Laurent, il est capable de voir projection architecturale, ça, qui sous vibe vaudou, c'est gratuit, c'est de 9h le soir à 11h le soir. Nous avons fait Daniela Ferrière, c'est ça? Nous t'es fait Daniela Ferrière il y a quelque temps, l'année dernière et il y a 2 ans de cela. Cette fois-ci, on a changé un petit peu. Donc, nous, on vibration vaudou, etc., que nous faisons. Et puis, donc, c'est bien, c'est intéressant. Son paquet d'artistes haïtiens qui travaillent sur le Et projet. ça reste toute la semaine. Ça reste toute la semaine, 9h du soir à 11h du soir tous les soirs. Et puis, maintenant, aujourd'hui, nous gagnons, pour le monde qui nous gagne un panel de discussion pendant aujourd'hui à demain. Pour public là sur Facebook, Je qui dis à vraiment. demain et vendredi, Fabienne. Pardon? Je dis à demain et vendredi. Ah, ben tu vois, Karel, comme programmation plus passée, c'est extraordinaire. Karel, j'adore, j'adore. C'est extraordinaire, t'as raison. Donc, nous avons un panel ça, sur des sujets qui sont très importants. On a parlé de réussite féminin, au féminin, des femmes qui réussissent, qui embûchent tes gagnants, comment elles sont inspirations, etc. C'est important. La culture par nos femmes, c'est potomitant. Donc, nous toujours aimons mettre les femmes en avant, les femmes qui réussissent, etc. Et puis, nous avons également un panel sur situation réfugiés haïtiens. Bon, ici, là, c'est pas toujours très rose et bagaille pas facile. Donc, nous pourrons gagner notamment Marjorie Villefranche de la Maison d'Haïti, qui a ce panel, ça a tout. Nous pourrons parler de comment nous capables maintenir en sorte de. Comment nous capables de quimber culture culinaire, nous, traditionnelle, nous, pour nous passer de génération en génération. Parce que nous connaissons que nous, on est à l'ère de la globalisation, cuisine fusion, puis tout ça. Mais pendant ce temps, cuisine typique haïtienne, il faut nous quimber le tout. Donc, nous pourrons parler avec certains jeunes, dont il y a un qui chef, il y a un qui, dans plusieurs domaines, qui pourra aborder ce sujet ça. Ça, c'est gratuit sur Internet. Et puis, mercredi, jeudi, comme à l'habitude, eh bien, on est au Jardin Gamelin, à Montréal, coin Saint-Hubert et Sainte-Catherine, où on va avoir les 5 à 7 de DJ. Mais, nous avons dit oui, ça n'est ça, Karen. Parce que là, nous gagnons un artiste exceptionnel, comme Wesley Ben. Kaplatou, dans le Jardin Gamelin. Wesley, c'est pas que Wesley ait manqué une édition le Festival Haïti en Folie depuis si longtemps. Donc, il a grandi avec le Festival Haïti en Folie. Je pense qu'on était la première scène que Wesley fait en plein air. À l'époque, c'était au Parc La Fontaine toujours, mais en tout cas, bref, donc on est très content, très choyé d'avoir Wesley avec nous encore. Et puis après ça, samedi, vendredi, quand on est, on va essayer de Karel. C'est le film de Jessica Généus, Freda, qu'en pile, on a demandé qu'il le film a retourné. Film, ça fait mal, de tout côté le passé. Il était passé Montréal déjà. Là, ça, c'était dans le Festival Cinémania, en collaboration avec le Festival du film Black de Montréal. Et puis, c'était ça le comble, c'était extraordinaire. Tout, on a dit, mes amis, Fabienne, qui est au couvert, je vais tourner, qui est finie à tourner. Ben, l'y tourner, c'est pour le vendredi 28 juillet, 6h tapant, Théâtre d'Outremont, Montréal. Dégagez-nous sur Eventbrite, allez sur haïtienfolie.com, gagnez un billet nous, pour nous capables de vivre le film. Ça, c'est la dernière fois la passée, Non. là, Haïti en Folie, là, Montréal, là, tout le côté. En tout cas, je ne vais pas Okay. faire promesse. On nous garde bonne annonce. Voilà. Les dix genoux, où est-ce qu'on monte notre travail? Toute la sainte journée pour faire me guider, dites-moi. Quelles sont les séquelles qui handicapent cette nation? Il n'y a pas qu'à manger, insécurité, balle à tirer sur lui, dans la tête, tout le temps. Je suis là, vivre ça dans ma vie. Les gars, ça vient mon bal marron. Pendant que je couche la caille, moi, je m'abdomme. Ou même pour prier bon Dieu, ou même pour genou nèg qui gagne l'argent pour les voir. C'est moyen semble horrible. Il va prendre heureuse. Mais qui est-ce qui zoome des besoins de rendre heureuse? Mais quand je n'ai tout comme ça, yo. Paul comme vous. Comme taxe. Pas que professeur? Une grève, oui. Ma
carré de temps encore là. Mais pour qui ça voulait rester là? Si tu m'as suivi. Ça peut faire là. Raconter histoire frère disait. Si raconter histoire princesse ghetto yo, si raconter histoire Tissène. Qui grandit dans le système côté c'est amour sans sommeil, les gars marcher vers lève. Right. Ça me donne des frissons, ce film. Mais là, c'est un haïtien qui est primé à travers le monde. Songez qu'un pile film qui gagne autant de prix. On est si l'homme sur les quais, qui c'est un film fait par Raoul Peck. Pas qu'on est qui va voir que le dégain. Mais il gagne mais vraiment pile prime. Moi, je dis que Jessica dit qu'il n'y a pas de compté. Non, mais Jessica était un peu. Je vais poser la question, ça, puis je crois que vous discutez avec elle. Alors, ce qui arrive, c'est que ma grande discussion préenregistrée qui est faite avec Néhémie Bastien, en fait. Mm-hmm. Donc, qui côté que Néhémie parle vraiment parler de beaucoup de choses, de et comment l'expérience a été épaulée, comment ça, ça a été travaillé avec Jessica. Parce que nous avons reçu Jessica la dernière fois, nous avons fait et chita avec Jessica pendant le film de passé Montréal en personne. Après, ça nous avons fait l'année d'après, il y a une discussion en ligne, etc. Cette-ci, ça va être avec Néhémie Bastien, qui est actrice principale, hein, qui est le premier film né d'ailleurs. Oui. Donc, Néhémie Gampilbaï pour le dire, et comment film là, les refléter aussi, les font clé de la situation pays, je veux dire. Car elle m'a dit, mais ou même, qui vit en Haïti, qui compte contexte que Jessica a tourné film ça en Haïti, toute situation pays difficile, et comment ou est film ça, pour qui ça en monde doit aller film ça, comment un film là important pour la communauté. Bon, moi, film nan, depuis août 2021. Ouais, le lit effect sorti d'ailleurs, et c'était grand premier en Haïti, avant même que le talé en tournée internationale, fait grand premier la France et tout le côté que le passé. Et une avis, comme tu dis, Jessica, c'est que l'IF définitivement font tableau et vraiment complet de toute réalité qui est en Haïti. Et je pense que le gros succès film là, c'est parce que il récompense la capacité ça que Jessica a gagné dans grand scénario pour peindre toute en société. Et à tous les niveaux, que le et problème monde qui dans classe moyenne gagne, problème monde qui people pauvre gagne, problème insécurité, problème accès à éducation, problème et malversation politique, corruption, problème colorisme, problème exode. Jeunesse là. Et en général, c'est ça. Et son monde voulait qu'on qui s'est passé en Haïti, qu'on y a. Juste venir garder Frida et puis imaginez peut-être on t'y crasse 20 fois, 30 fois plus pidu. Parce que le Frida t'est tourné et nous t'es littéralement 2018-2019 en Haïti. Et là, qu'on y a nous en 2023, ça veut dire situation une plus difficile. Ça veut dire si Jessica peut-être t'a profond l'autre Frida, il t'a certainement ajouté et problème gang yo qui occupait tout pays a et un pays qui justement pas un président et la dernière depuis juillet 2021 et avec tout ça qui gagne que n'a vivre là qu'on y a kidnapping la vie chère et problème gaz, problème insécurité, problème courant, problème l'école, problème l'hôpital, etc. Mais sous haïtien et spécialement haïtien qui dans diaspora ou besoin reconnecter à Haïti tout faut qu'on vienne. Pour qui ça me dit ça? Parce que malgré peinture ça que Jessica fait, li montre on par exemple personnage Frida son femme forte, son monde qui connait doual, son monde qui connait ça que vle, cap bataille pour rêve li et qui justement bail lui un espoir ça par rapport à tout monde qui était vivre dans pays et qui croit que et quand même et bah yo ka changer un jour, je suis même capable participer dans changement, genre que yo capable. Qu'est-ce que ça me pensait de Frida? Il me pensait que son film, que vraiment tout haïtien t'a supposé, ouais, côté en Haïti, spécialement sous la diaspora. Sous la diaspora, effectivement. En tout cas, on a eu une chance à louer Frida, qui a fait vendredi 28 juillet, 6h tapant, dans le théâtre Outremont, à Montréal. Prends bien nous rapidement sur haitienfolie.com ou bien sur Eventbrite, parce que c'est important. Et c'est la dernière fois qu'on a eu une chance à pour nous louer film là. Pas beau ici là et dans été là surtout, donc c'est une opportunité incroyable. Et puis ça me remet là dedans encore son femme qui fait film là,
Yeah. On n'a pas beaucoup de femmes réalisatrices, là. Come on. Et elle est aussi productrice, coproductrice dans ce film. Ouais. Car elle est une génération triple. Jessica Mette est une génération triple. Ce que je bien aimé d'ailleurs, et comme. Bon, jusqu'à ses amis. Moi, ses amis, nous. Ses amis, tout. Voilà. Mais c'est vraiment une grosse fierté pour moi et réalisation que lui fait. Je ne vais pas attendre ce film. Je connais le travail de son film là. Je ne vais pas attendre pour moi, justement, tout bel voyage que le bras fait dans la carrière li, et côté que le bras arriver. Je pense que, au sens que le film ça a été gagné. T'as fait une belle campagne pour lui, pour le dénominer aux Oscars. Mais oui! Nous pas réussi, même certain que Jessica Naout là, n'importe là, et c'est juste frapper pour le continuer à frapper pour le calme. Totalement, totalement. Oui. Mais ça a ouvert beaucoup de portes, parce yes, que yes. Déjà, avoir Henry Ford Coppola et Francis Ford Coppola, c'est ça qui est de ces films-là, qui s'est réalisateur et producteur de film, de série Le Parrain, hein? Mm-hmm. C'est un bas extraordinaire. Moi, je pense que en pile monde gagne sur Jessica, m'espérer que ça pas mettre pression sous dos Jessica en plus, parce que ça qui vient arriver, c'est que quand tu fais quelque chose qui a été bien reçu, sans parler de quoi, t'as artiste, au grand sorte de pression. Oui, sous dos. You raise the ball. Vous mettez ça dans la bien haut. Donc... Exactement, mais pression, ça a des fois, car elle, les gens doivent paralysant. Les gens doivent paralysant, les vignes fait que ou tellement peut tromper au pas au moment. Je ne dis pas que c'est son cas, j'espère. Exactement. Je sais pas qui est pied sous terre. Good. Et... good, good, good. En tout cas, nous pourrons célébrer et film ça, Freda, Haïti en folie. Oui, donc, c'est le seul film qu'on passe d'ailleurs au festival. C'est le seul programme payant qu'on gagne, c'est ça? Oui, c'est le seul programme côté que gon billetterie. Donc, BIO n'a pour toute information sur le site internet haïtienfolie.com. Donc, mais c'est le seul film d'où? Donc, ça veut dire que je suis content que l'équipe a fait choix de film ça. Et puis, sinon, le lendemain, le samedi, cap le 29 juillet, comme d'habitude, Karel, mon Rara. Alors, Rara, nous, on dit, j'en revampé Rara. Parce que, mon gars, qui de nouveau tech qui a Rara ça. Alors, Rara, Haïti en folie, hein, chaque dernier samedi du mois de juillet, c'est toujours la même tradition. Mm-hmm. Ce qu'on a fait cette année, nous revampé Rara, nous prenons gagner Rara Jazz, Kapla, qui a retourné. Cette année, nous ajouté Rara indigène, parce que l'année passée, nous avons fait avec un seul Rara, un seul groupe. Et puis, année ça, nous avons demandé, ah, nous pas attendre derrière, bon, ok, là, ça nous a deux Rara. Ça que nous comprenons, c'est que Rara marche. Uh-huh. Et parfois, un pile monde pas marché en même rythme avec Rara. Donc, il y a des gens qui étaient derrière, qui fait route là pour aller dans le parc là, qui parfois pas arrivé et tendez ambiance, ambiance, vive ambiance. Donc, on est obligé Rara sur plusieurs espaces. Yon devant, yon derrière pour moun ki derrière, justement. Mm-hmm. Et exactement. Donc, déjà, c'est un ajout. Et puis, on a gagné toute l'équipe Haïti Makaya avec les danseuses colorées, etc. Qui a marché avec Rara à tout. Donc, on essaie de revamper, pas de revamper, mais d'ajouter un petit peu un zeste de couleur dans le Rara Haïti en folie. Si on espère que c'est pour le bonheur du public, on connaît Rara, ça a attiré des mondes qui montaient sur Ottawa, montaient sur Toronto, montaient sur New York, sur Boston, tout. On y va son week-end avec famille, parce que il n'y a pas qu'à manquer le week-end Haïti en folie, ça. Eh bien, on a plein Rara. Rara a commencé à partir de 3h tapant. Et côté que d'avoir rassemblé l'emporte des compagnons, toute adresse sur toute bagaille sur haïtienfolie.com. Quelque chose, ça m'a dit là, haïtienfolie.com, on a toute information. Donc, la rap quand c'est 3h, on est mobilisé, et puis 4h, nous partis pour aller juste l'emporte la fontaine. Non? Donc, venez avec tout drapeau, nos costumes, nous tout à fait, nous reprenons, n'importe quoi qui rappelle Haïti et les couleurs d'Haïti, et puis pour nous marcher en toute solidarité avec le peuple là, avec culture là, et puis voilà, c'est ça. Tout à fait. Voilà. Bon, Fabienne, parce que vous avez une belle programmation. Moi-même, moi, Montréal, moi, je viens à Timoun Mayo. Je viens de Timoun Mayo qui est avec moi là, qui va venir vivre quelques mois. Comment vous êtes? Comment vous êtes? Est-ce que c'est la première fois que vous êtes à Montréal? Et Cara, c'est la deuxième fois, mais la première fois que vous êtes venu, elle était très jeune. Elle n'a pas son genre. Et donc, Amalia, lui-même, c'est la première fois. Donc, vous pouvez l'amuser. Oh, that's nice. Vous pouvez le sortir et nous pouvons l'amuser dans la ville là. Ah ben c'est magnifique ça. Alors, quoi de mieux que pendant le festival Haïti en folie? Je suis très content d'ailleurs que vous venez avec eux qui coïncident dans l'époque ça. Donc, je connais que pour la musée. Et justement, parlons rapidement des gens qui ont des enfants. Bon, évidemment, toi, tu as des grands enfants. Tu as plus de. C'est pas des petits enfants que tu as. Mais pour mon petit Timoun, n'a servi la Haïti en folie parce que c'est vrai que je dis
là, nous parler de tout gros événement yo, mais il y a aussi le matin pendant la journée samedi et dimanche, nous gagnons des ateliers pour les enfants, nous gagnons un paquet d'activités pour les enfants depuis 11h midi dans Parkland et pas oublier tout nos bons foires culinaires à côté que nous capable bien manger, pas regardez, samedi dimanche, pas grave d'aller manger dehors, c'est vite manger en Haïti en folie, venir supporter, encourager casse-croûte nos restaurants nous yo. Et puis Daniela Ferrière va être là pour le côté littérature parce que nous avons foire du livre ouvert, à ciel ouvert aussi, au festival. C'est ça, Haïti en folie, Karel. C'est tout bas, ça, yo. Le meilleur de la culture haïtienne, en un week-end, en une semaine à Montréal. Et puis, tradition continue, ça fait 17 ans. Merci à Peupla, à Public-là, qui l'a avec nous. Et merci à Bok Tédé, qui l'a avec nous, tout, qui est très loyal, et SAQ, qui l'a avec nous, etc. Donc, merci à tous les partenaires, parce qu'il n'y a pas en pile, il n'y a pas jamais besoin en pile reconnaissance. Parce que c'est toujours artisan devant, mais des artisans, des organisations, hein, si nous pas gagner des partenaires solides d'un côté des banques, etc., eh bien, nous pas là, mais c'est à toute équipe fondation Robin Nicolas, tout comme ça va être très, très, très d'arrache-pied. Mm-hmm. Tout à fait. Mais voilà. Très bien, merci. Et puis, on se voit ce week-end, en fait, cette semaine. Et pour Haïti en folie, je connais que nous avons pris l'activité pour nous faire ensemble. Et puis, encore une fois, au son, j'aime toujours faire une sorte de recap. Donc, on a peut-être retourné pour nous parler de comment ça a été dans Haïti en folie. Totalement, totalement. Merci en pile Karel parce que toujours là avec nous. Oh chaque oui. année, c'est une belle tradition. Puis nous remets support là, on apprécie ça en pile. Vous venez là avec nous. Donc tout le monde, venez aider nous. Accueillez tout le monde qui est à Haïti, qui est en diaspora, qui est aux États-Unis. Tant que Karel, tant que Emeline, tant que Admiralty, tant que tout l'autre, yo. Tant que venez en full pour bien accueillir le monde pour être capable de faire une belle bagarre de Montréal, de nous-mêmes qui sommes là tout. Merci beaucoup, Fabienne. Voilà. Bye bye. C'est Fabienne Gola qui était avec nous, qui t'a parlé de 17e édition de Haïti en folie. N'a quitté avec Bada Nosson pour qu'on ait une idée de qui ça qui toute programmation festival là. Et puis, n'a pas Montréal pendant la semaine là, tout le monde.